Voici une présentation d'Armatic Designer, CTX. On peut, par exemple, à partir d'Armatic Voyageur, ouvrir le programme Armatic Designer pour modifier les caractéristiques d'une ville, par exemple. Armatic Designer, dans cette version, propose 4 onglets, l'onglet Browse, Explore, Design et Listen. Les caractéristiques générales de cette nouvelle version, donc Armatic Engine 8.06, contient 2349 fonctions au total, avec 135 nouvelles fonctions et 10 nouveaux composants. Une référence en ligne entièrement interactive, une interface utilisateur considérablement améliorée, personnalisable, redimensionnable avec une résolution de rendu auto-adaptative pour une meilleure réactivité et une entrée numérique généralisée. La possibilité d'annulation multiple, la prise en charge complète d'images 16 bits par pixel et prise en charge du codec haute qualité Apple ProRes 444 10 bits par pixel. Modification globale d'Armatic Engine 8.06. Le modèle de couleur est désormais exclusivement normalisé, plage de 0 à 1 pour les données RGBA. Le mode d'animation aléatoire n'existe plus. Le format vidéo pixel non carré n'est plus pris en charge. Les modules qui ne prennent pas en charge les entrées compressées utiliseront désormais implicitement la quatrième valeur, alpha ou DF, au lieu du rouge lorsqu'elles sont connectées à des sorties RGBA compressées. Les formats de fichiers Armatic Engine 8.06 sont compatibles avec les fichiers enregistrés depuis la version Armatic 6, mais utilisent un nouveau format de fichiers afin que les fichiers Designer CTX ne puissent pas être ouverts dans les anciennes versions. Les fichiers doivent donc utiliser l'extension .artm qui indique le type de fichier sur ce système d'exploitation récent. Il existe désormais plusieurs modes de mutation dans la boîte de dialogue Explorateur de mutation.